Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe Facebook ou WhatsApp et aussi envoyer ça à vos amis. Bref, la famille, j'ai dit sortez, c'est grave. Voici Amira Blindé qui est en train de parler du passé de Laurent Gbagbo. Qui est Laurent Gbagbo? Oui, qui est Laurent Gbagbo? Parce que de nos jours, quand tu allumes ta caméra, tu traites d'Alassane de Burkinabé, tu traites d'Alassane de étranger, tout le monde te félicite, on dit toi tu es un Ivoirien. C'est parce que tu es un Ivoirien que tu traites d'Alassane de Burkinabé. Mais toi aujourd'hui, tu te lèves tout à l'heure, tu dis non. On dit Gbagbo n'a qu'à nous dire sa nationalité. On dit toi, tu es un étranger, c'est pour cela, celui qui est Ivoirien, tu veux lui traiter d'étranger. Gbagbo, sa sœur s'appelle Koudou Jeannette. Mais Gbagbo, là, lui, il n'y a pas Koudou dedans. Lui, mais il a bien expliqué à la CPI que Koudou, là, n'est pas dedans. Mais après, il voulait mettre Koudou dedans. Mais toi, mais faut, on dit Jeannette, Koudou Jeannette avec Laurent Gbagbo, même père, même mère. Dites-moi la vérité. Ah, moi, il y a eu telle personne avec même père. Mais si on a même père, on doit avoir même nom de famille. Mais voyez ceci. Voyez ce qu'il y a des gens, tu vois, du tout. Hey, Seigneur. Là, ils vont m'insulter. Par exemple, ceux-là, ils ont fini ça. Quand ils tapent en même temps, ils vont t'insulter. Oh, toi, vous quittez la vilaine, là, oui. On est vilain, mais on va dire la vérité. Koudou. Koudou Jeannette. Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité. Est-ce que ça va bien? On dit, ils sont les frères et sœurs. Même père, même mère. Mais ça là, si on dit tout à l'heure là, Alassane Dramane, c'est un Burkinabé, vous allez voir les gemmes. Oui, mon frère, c'est vrai, tu as raison. Mais quand il dit Koudou Jeannette, Laurent Gbagbo, il y a deux trucs qui ne marchent pas. Là, ils vont te dire tu es étranger. La famille, voici Amira Blindé qui est en train il est en train de vraiment dire des vérités dans cette vidéo-là. Écoutez très bien attentivement, vous allez mieux comprendre que Amira Blindé, souvent. Sa folie là, quand ça le prend, souvent là, il vient se ressaisir. C'est comme ça, lui, il tape ici, il tape ici, mais sa folie là est trop beaucoup. Mais aujourd'hui, j'étais sur mon Facebook et puis je suis tombé sur sa vidéo. Et quand j'ai écouté, il dit, ouais, le gars là, vraiment, sa folie aujourd'hui, ça n'a pas pété. Donc il était normal et puis il a dit ça. Ah, ma vie, voici la vidéo de Amira Blindé et après, je vais rentrer dans le but de sujet. Voici ça. Bon, venez, venez. Parce que je sais que vous êtes là. Comme j'ai dit, vous ne voulez pas écrire pardon, pardon là. Donc vous me regardez, vous n'écrivez pas. Vous allez écrire. C'est lui qui a posé la question là. Que de le prouver. C'est-à-dire de le prouver que Gbagbo Laurent là. Gbagbo Laurent là, il est malien là. Que de le prouver là. Tu es là, on a donné rendez-vous. Viens, nous m'a. Sinon, bêté 100%. 100% Bété là, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand Bété, il a un côté du Mali là, je ne sais pas pourquoi, et puis surtout Maraka. Les Maraka là, excusez-moi, mais à la fin, tu as les d'Ivoirien au Mali. Gbagbo est malien, il vous a apporté les preuves. Ah, mais c'est Mérèque. Elle Mérèque. You Mérèque. Maraka en anglais là, c'est You Mérèque. Donc, depuis combien de temps là? Ouattara il est Burkinabé, Ouattara il est Burkinabé, tout le monde sait. Et puis lui il est Burkinabé vraiment. On dit ça là, vous venez vous applaudissez. Mais c'est vous les intellos. Gbagbo même est historien. Il n'a qu'à vous dire, il n'a qu'à expliquer pourquoi il a le nom Gbagbo, il n'a pas le nom de Koudou Saint-Paul, où il y a des, il y a 2 ans de différence entre lui et son soi-disant papa là. Mon combat, c'est la Côte d'Ivoire. J'aime pas les malhonnêtes. Mais lui, Gbagbo aussi, là, il mandait. Regardez, vous voyez, non, j'ai dit, je vois pas bien, non. J'ai passé toute la nuit en train de momo dans son passé. À Franais. Quelqu'un qui porte gros pantalon. André, les Néerlandais, là. Jiboudo, les Néerlandais, le boulot. Je vais perdre toutes mes go.
Bété là. Gars, ma vieille, je m'en fous. Je m'en fous. Non, de vous à moi, Naka, j'ai dit la vérité. Aïe, 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 Ouattara, là, on dit à Doudou, Ouattara, lui, il a passé tout son temps à prouver qu'il est ivoirien. Mais Gbagbo, il n'a qu'à commencer pour lui. Quand on dit Gbagbo, il n'est pas ivoirien, ça dit, il n'y a pas d'explication. Ah non, il s'appelle Gbagbo, il s'appelle Gbagbo. Vous trouvez ça normal? Est-ce que Gbagbo a fait là? Vous trouvez ça normal? Mrakao. Hello, Nyanfo, Nyanbedoni. Eh, hey, attendez. Hein. Vous, et puis ceux qui s'étonnent là, que moi je parle mal de Gbagbo là, vous-même là, vous l'insultez. Mais moi je ne critique pas, je ne veux pas qu'il se perde, Gbagbo. Je vais retrouver son papa pour lui. Eh, hey, Aboussila, Aini Lomromako, Adona Abota. Attendez, hein. Je vais chercher une vidéo quelque part là. Ben, ceux qui insultent Gbagbo là, Il y a les insulteurs et puis il y a les critiqueurs. Moi, je fais partie des critiqueurs. Comme je suis un directeur, l'homme qui fait direct tout le temps. Donc, je suis un critiqueur. Je suis Epine de Mourotoy, ma belle Amra. Gbagbo n'a qu'à envoyer son papa là. Il n'a qu'à expliquer aux gens. Vous voyez, vous êtes bloqués. C'est pareil, c'est vrai. Ce que l'amiral dit là est vrai. Tiens, papa qui est là, on dirait Jésus. On dit non, son papa c'est Dieu. On dit c'est pas son papa. Maintenant là, on vous demande. On vous demande, montrez-nous, dites-nous, quel problème, c'est-à-dire, il y a eu quel problème, et puis Gbagbo n'a pas porté le nom de son papa. C'est tout. Mais dépassez vos temps en train de faire des romans, sur page des gens en train d'écrire, ouais, toi t'es bête, toi t'es mouton, mais le bête, la mouton, là, lui, il a posé une question simple. Amira Blende, comment ton papa, il s'appelle? El Hadj Youssouf Karamoko. Et c'est pas fini. Comment le père de Gbagbo, il s'appelle? Parce que le monsieur que vous avez montré là, lui ne porte pas le nom. C'est la première fois. J'ai vu ça hier sur Google. C'est-à-dire un père qui porte le nom de son enfant. Mwangbe. Gbagbo ne nous fatigue pas. Moi là, je nettoie tout ce qui est faux. Ma gamme est tombée sur lui. Il n'a pas nettoyé qu'il est propre. N'a pas nettoyé. Il y a le rendre propre. Posez la question, Gbagbo là, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Gbagbo a raté son coup. Si Gbagbo se positionnait vraiment en réconciliateur là, mais on allait se réconcilier. Au lieu d'aller réconcilier les gens, lui-même, dès le jour, il est arrivé, il dit, il veut pas sa femme. On dit, il est en haut, Nico, on va te réconcilier. Kafri, il faut même ici là. Eh, le blé. Appelez-moi 00225. Gbagbo Laurent là, c'est ça ma question. Le nom de son papa là, c'est quoi? Parce que c'est pas Koudou Paul. Parce que lui là, c'est Koudou Paul. Mais j'ai regardé sur le truc, ils ont ajouté Gbagbo dessus. Abuedile, vous là, vous êtes quoi? Vous sont comment? C'est-à-dire, c'est l'enfant, on dit l'enfant porte le nom de son père. Mais le père qui porte le nom de son enfant, attends, c'est une famille de djinns ou quoi? Vous connaissez djinns? Djinns, il y a les génies là, parce que peut-être qu'il n'y a que les génies là qui peuvent faire ça. C'est-à-dire, papa va prendre nom. Deux coques, je suis au serré. On est ensemble. Toujours. On va bouffer la boîte. Et je dis, on le voit que là, tu vois. C'est-à-dire, Fatima veut deux, trois tacandras, il est là. On vous demande, vous êtes en train d'insulter. Nous, on a passé le temps ici à dire que Ouattara, il est ivoirien. Dans le hommage, j'étais avec lui là. On a passé tout le temps à prouver qu'il est. Bon, maintenant là, c'est votre tour. Attends, trouve le roi, on vous dit ça, vous venez insulter les gens. Vous là, vous êtes plus jolis que moi. Tiens, tout le vilain garçon et puis les femmes là. Hey, elle a couvert le revenu là. Maman, comment tu vas, Fatou? Donc, je vais lire un truc pour vous ici. Quand Gbagbo Laurent a perdu son papa, bon, Koudou Paul, je dis, c'est son cou, c'est son oncle, ou je sais pas son oncle ou bien
En tout cas, c'est pas son papa. Moi là, le grand frère de maman là et moi là, on se ressemble entre eux, on n'a qu'à mourir ensemble. Tellement on se ressemble. Donc, ils ont, vous avez cherché, juste en, vous n'avez pas trouvé, c'est dans la famille, vous partez prendre, c'est-à-dire le petit frère de la maman ou bien le grand frère de la maman de Gbagbo, pour dire non, quoi, à Krochel, quoi, à Fachel, à Babaté. C'est moi qui vous dis ça. Envoyez-moi le père de Gbagbo. Et puis Gbagbo même là, pour ne pas faire Ramadan. Bah, il sait que les Marocains là, eux là, c'est les musulmans. Pour ne pas faire Ramadan, il est en train de courir aller devant là-bas. Qui bat sous nos miens. Disant, ouais, je suis catholique dès quand il n'a pas fait 10 ans en prison. Toi-même là, il a changé prison là combien de. Hein, religion là combien de. Bon, si c'est prison, c'est, il a fait ce qu'il a fait. C'est un touriste, un prisonnier ambulant. Touriste, le. Kassoko, le number one. Et puis il est fier de dire. Il dit, mais c'est Ouattara qui m'a emprisonné en 92. Et c'est le même Ouattara qui continue de l'appeler. J'ai dit, ce n'est pas moquerie. Ce n'est pas moquerie. Gbagbo et ses soeurs là, elle est Jeannette Koudou. Elle a son nom là, c'est-à-dire il y a Jeannette Koudou. Mais elle là, ce n'est pas Jeannette Gbagbo. Adégla Koumea. Gbagbo là, où tu es quitté avec ton nom de djinn là. Viens, tu vas nous expliquer ça ici. Vous les militants de Gbagbo là, apprêtez-vous, hein, pas Ninga Atoué, Ninga Soumé Atien. Ne donne Atoué, hein. Venez, vous allez nous dire. On sait que Ouattara, son papa là, même si lui il refuse là, on sait que son père là, il vient de Sindou. Ouvo Boigny vient de Ghana. Maintenant, votre Abou Sila là, Boigny Sila, Jésus de maman, le Christ de maman là, à papa là-bas. Heureusement qu'il a encore en vie. On ne va pas rester dans ça jusqu'à la fin là-bas. C'est dès maintenant, il est temps. Il n'a qu'à nous montrer son papa. Jeannette Koudou. Gbagbo Laurent. On dit c'est même pas même. Oui, bon, il y a. Et puis, il n'est pas malinqué. Je veux dire, ça a dit sa maman là, elle n'était pas Djoula. Pareil chez vous là, on sait que côté tous ceux qui ne sont pas Djoula là. Eux là, eux ils jouent pas avec. Mais quand un enfant vient au monde net là, le lendemain là, ils sont à la mairie pour faire extraire de l'enfant là. Bon, qu'est-ce qui a fait que le nom de papa de Gbagbo là n'apparaît pas sur les documents de Gbagbo Laura, monsieur Koudou là? C'est ça la question. You know? You may be phobish. Yes! Nyana nga okola akabi mwadu. Moi je me plais trop et puis je suis zo même dans le carton. Ah la Mohamed. Ça c'est mon nom espagnol. Mohamed. Prends un phrase, ça t'a malingué. Nyana nga okola gujwa akabi. Kafrulu. Vous avez venu moi m'insulter, vous êtes malade. Et puis moi je ne vous prends pas au sérieux. Seulement je viens pour vous aider. Le nom du père de votre gars, là, Gbagbo, là, c'est quoi son nom? Son papa, là, à trop John, et qu'il a dit. Parce que lui-même, il dit, c'est qu'il y a un problème. C'est lui-même, il dit, qu'ils vont rectifier son nom. Rectifier pour faire quoi? Jeannette, il t'a rectifié, là. Pour Jeannette, là, c'est rectifié. Hein? Ouattara là, moi même j'ai dit ici, oui, si vous voulez Boigny a dit que lui il est gagné là, Ouattara il est Burkinabé, on sait, parce qu'il n'était pas là-bas là. Quand tu vois fumer là, c'est qu'il y a quelque chose. Pour Ouattara là, moi même je valide aujourd'hui, il est Burkinabé, il vient du Sindou, c'est pas un problème. Maintenant ce que nous on veut savoir là, monsieur gros pantalon, pancho, parce que pantalon en espagnol c'est pancho, pancho, monsieur gros pantalon. Il y a Pancho et puis il y a Panala Chong. Il y a dit Pancho et ni. Il y a Pancho et il y a Panala Chong. Bon, c'est que Gbagbo il porte là, on appelle ça Panala Chong. Madame Doumea, bonjour. Ah, moi, c'est les femmes qui répondent. Tcheka, Tchelou répond. Et puis, de la manière, je suis en train d'attaquer Gbagbo Laurent là. Je sais que les gars là, les gogos, tous les gogos qui étaient fondés, elles vont damer sur ma don. Maintenant, si je vois des gros qui n'ont pas nom, qui n'ont pas les noms, Akissi, de quoi, presque, comment tu vas?
Quand je vois les mayamans, les maïmouna là, ah, ça va me bénir. Parce que je ne veux pas rester comme ça. Il faut dollar que mouvement. Non, comment quelqu'un. Comment que. Et puis ils vont dire, mais Ouattara même là, il est comment hein? Il vient de Burkina. Mais Sylla, Sylla de l'Anviabou là. Et puis, vous les Maliens là, dites à Assimi Goïta que Allah protège Assimi Goïta. Assimi Goïta, pardon, viens chercher ton tonton. Viens, tu vas chercher ton tonton. Ah, David, il y a Marie, je t'ai dit qu'elle va taper sur moi. Ah, Marie, tu vois, donc tu ne m'as pas aimé. En vrai, tu ne m'as pas aimé. Tu m'as aimé parce que tu m'as blagué parce que je parlais bien de Gbagbo Laurent. Même Tenta a bien fort. Et puis, ce que j'ai dit de Gbagbo là, que côté Ouattara là, que Gbagbo a fait ça là-bas, ça dit, on peut tout, ça dit, tu peux aller voir tout ce que j'ai dit. Ce qu'il a fait du bien, tout ça là, oh, j'ai dit ça. Mais maintenant là, ce que je suis en train de dire là, Kraga Koumata, ça vous, ça n'arrange pas? Sinon, je ne suis pas entraîné. Donc, nous te mourons là. Ça, c'est en anglais. Nous te mourons là. Le papa, le baba. Comme on dit en anglais, même pépé, le pépé de Gbagbo. Le pépé de Gbagbo, là, il n'a qu'à nous montrer son père. C'est-à-dire, il n'a qu'à nous dire le nom. On ne veut pas le vieux même, mais son nom. Pas Koudou Saint-Paul, Théon. Ce n'est pas Koudou Saint-Paul. Ou bien, quoi, il y a Koudou Saint-Paul, Théon. Donc, on va lire ici. Il y a quelque chose qui est bizarre dedans. Bon, j'espère que vous, bon, ça va, vous êtes habitués maintenant. Vous savez que moi, je débrouille hein, quand je lis là. Voilà ça. Donc, je vous montre d'abord. En tout cas, il ressemble à son nom, Gbagbo Laurent là. Il ressemble à son nom. Parce que, quand tu vois une sur le GPS, comment tu vas? Voilà. Je vais vous montrer ici. Voilà. On dit que c'est lui-là qui est son papa. C'est-à-dire le petit frère de sa maman là. Oléine. Vous voyez, un père qui porte le nom de son enfant. Ah, il y a Koudou, Gbagbo, Paul Zepé. Ah, il y a là. C'est-à-dire Koudou, Paul. Bon. Comme il n'y a rien qui se cache là, on va voir quelque chose ici. Alors, ici, c'est. Ici, attendez. Voilà, vous voyez, à partir de là, la dépouille, là, ici, là, lisez bien, hein. Ici, ils ont mis, parce que le mensonge, là, on peut pas rester de là longtemps, ils ont dit la dépouille mortelle du père, du patriarche Zepé, Paul Koudou, père du chef de l'État, Laurent Gbagbo. Est-ce que ça là, ça colle ça? Respectez les gens. Hein? Respectez les gens. On dit le. Que son âme repose en paix. Je ne suis pas en train de moquer, mais le vieux, ils t'ont mis dans le problème. Pour toi que tu as créé ici. Là. Alors, on reprend quoi? Allez, on reprend. Vous voyez, c'est ici, hein, frère. Il a là. Voilà, croulé. Moi, il me promène avec lui. Ah, quand on a croulé, non? En même temps, Franlanine, il est là. Donc, il est là. On dirait louche. Voilà. Vous voyez, là ils ont écrit quoi? On dit ici la dépouille mortelle du patriarche Zepé, Paul, père du chef de l'État, Laurent Gbagbo. Donc, maintenant, là, on va remonter ici un peu. Vous voyez, ici, Jeannette, là. Attends, Ogou, il y a trois d'eau. Voilà, ils ont dit ici, la cérémonie officielle de ces obsèques se dérouleront lundi 4 mars avec la présentation des condoléances au domicile de sa fille, Jeannette, à la Riviera 3. Comment, ça a dit, c'est nous là, en Côte d'Ivoire là. Quand ton grand frère est là, même si tu es milliardaire, femme n'a qu'à être milliardaire, ton grand frère, il est un fils à Bidi Laïman. Il est assis à Adalama là. Ces gens de problèmes là, jamais ils vont organiser ça chez toi. Mais vous savez pourquoi ils sont allés faire ça là-bas? Parce que c'est son baba.
Babou, c'est un enfant, bon, il n'a même pas été adopté même. Bah, tu peux pas. Est-ce qu'on peut adopter l'enfant de sa soeur? Oui. Babou, il a été adopté par ses peuples. Zepépol, Pierre Zepépol. Il est dans tous ces trucs, il y a complications dedans. Même pour dire le nom, le monsieur qu'il allait prêter, même pour dire son papa là. Même pour dire son nom en quoi, j'arrive pas. Zepépol Poudou. Et les gars là, André, ils ne veulent pas venir regarder la vidéo là. Hein. Mais venez, vous allez commenter comme ça. Non. Ma vidéo là, ça prend pas trop. Parce qu'on m'insulte pas. J'aime pas. Aïna, ça, venez. C'est amusement, c'est politique. Venez, on va parler de ça, Aïna. Venez, commencez à insulter, s'il vous plaît. Parce que j'ai né à inspiration de Bola Nenile là. Mais n'insultez pas ma maman. Hein. Pourquoi tes amis, ils insultent les personnalités du pays. S'ils sont malhonnêtes là. Et moi, mes amis, ils insultent pas, ils critiquent. Ce que je suis en train de faire sur Babou là, est-ce que c'est injuste? Parce que quand ça vous plaît pas, vous transformez ça en injuste. Sinon, nous, on fait pas d'injuste. Si on dit Ouattara est dictateur là, il est dictateur. Il n'est pas le seul dictateur. Babou même là. Lui, il est plus grave que, ça dit, il est plus grave que tout même. Bon, quand j'ai dit de venir m'insulter, lui, il vient insulter ma maman. Vraiment. Bon, tu allais trouver dans moi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Amira Blendé a dit. Dans la vie, là, quand tu fais un combat, quand tu fais un combat de vérité, d'être honnête, le jour, tu dis aujourd'hui ça, là, je vais dénoncer ce qui ne va pas. On te dit non, toi où tu es là, tu es un traître. D'autres vont t'aimer parce que tu as fait une vidéo où tu as bien parlé de leur matin. D'autres, demain, tu parles de bien de l'autre, ils vont t'aimer là-bas. Donc souvent, vous les abonnés aussi là, on ne sait même pas. Souvent, on est ici, nous là, surtout nous, surtout moi-même là. Quand quelque chose, si ça ne va pas là, je dis, même à la salle même, quand ça ne va pas là, je dénonce. Bidi, si ça ne va pas, je dénonce. Babou, si ça ne va pas, je dénonce. Surodium, je dénonce. Partout, je dénonce. Je n'ai pas de parti pris. Voilà. Vous-même, vous avez attendu. Mais je ne sais pas pourquoi, en Côte d'Ivoire, on traite nos aînés, on traite toujours ceux qui viennent à la tête de notre pays, on les traite des étrangers. Mais quand c'est pour vous, nous, on vous traite des étrangers, vous, ça vous fait mal. Parce que chez vous, c'est vous êtes ivoirien 100%, les autres ne sont pas ivoiriens. Mais dans la vie, là, on dit dans la vie, ton propre couteau te blesse et puis après tu t'as essuyé, tu utilises encore. Vous-même, vous avez vilipendé. Vous avez toujours dit Alassane, c'est un étranger. Alassane est ceci, Alassane est cela. Mais on vous demande Koudou Jeannette et Laurent Gbagbo. Vous-même, regardez les deux. Est-ce que ça, là, quand vous, nous-mêmes, tu t'assois, tu réfléchis là, on a même pas, mais comment on peut avoir un nom de famille différent? Dites-nous la vérité. Ça là encore, ils vont dire non que oh, nous on ne vaut rien, on ne sait pas. Oui, qui a dit à Gbagbo c'est un Malien? Oui, Gbagbo, attends. Donc les Maliens doivent se glorifier pour dire eux ont une personne qui est Laurent Gbagbo. D'ailleurs, vous traitez l'autre des Burkinabés aussi, ce que l'autre c'est un Malien. Acceptons comme ça et puis on va avancer. Acceptons et puis on va avancer. Donc pourquoi vous ne voulez pas accepter? Et puis vous voulez que d'autres n'ont qu'à accepter dans vos mensonges, dans d'autres n'ont qu'à avaler pour dire oui c'est vrai, ce que vous dites là c'est vrai. Ah, donc pour eux là, ce que je dis là, c'est mensonge aussi. Pourquoi? Entre nous-mêmes, pourquoi? On se déchire, on se s'entretue. Souvent même on se déteste pour rien. Oui, on se déteste pour rien. Quelqu'un même qui va t'aider. Tu vas t'élever là. Non, lui là, c'est un Burkinabé. Oui, lui là, c'est un Malien. Mais Burkinabé, c'est l'homme, non? Malien, c'est l'homme, non? Mais pourquoi vous, les l'Ouest, là, vous, les gars de l'Ouest, là, vous, là, asseyez-vous, on va réfléchir quand même. Asseyons-nous, on va réfléchir. Amira Blendé l'a bien éclairé. Un vrai bété aime son frère. Un vrai bété, si tu es en train de le critiquer là,
Quand c'est faux, il te dit c'est faux. Quand c'est vrai, il te dit c'est vrai. Et quand lui, il tape sa poitrine, tu dis, lui, là, c'est faux, là, lui, il va aller chercher ses documents pour dire, voici ça. Oh, moi, je suis fier de ça. Et puis, voici ça. Mais on vous demande, Laurent Gbagbo n'a qu'à venir montrer. Et puis, lui-même, à la CPI, même, il a dit, il a bien démontré que son nom Koudoula, oui, après, il va mettre des noms, après, il va faire ceci. Vous voyez? Ça dit quelqu'un même que vous suivez là-même. Lui, mais il est clopin. Et vous le suivez parce que vous êtes fanatique. Parce que vous aimez quand il parle lentement. Vous attendez son... Mais c'est pas ça. La politique de maintenant n'est plus ça. Si vraiment vous voulez qu'on oublie le passé, là, arrêtez de traiter l'autre d'étranger, des Burkinabés. Parce que les Burkinabés, moi, mais je suis fier même d'avoir des amis Burkinabés. Ouais. Moi, je préfère à l'aventure, moi, je préfère les amis Burkinabés. Je préfère des gens étrangers même que moi-même, mes propres frères. Je vous le dis. Moi-même, mes propres frères qui ont dit, ils voient rien même là. On se regarde comme cela. L'autre, on se déteste pour rien. Mais un étranger, il préfère Burkinabé, fier d'être, de dire, je cherche même des amis Burkinabé. Hey, vous, les amis Burkinabé, là, mes numéros à chercher, on causait. Je vous préfère. Je vous préfère. Je n'ai pas dit, je déteste les Ivoiriens, jamais. Mais j'aime pas où on va se lever. Non, Alassane est Burkinabé, Alassane est ceci, Alassane. C'est les Blancs qui sont venus partager, oui, la terre en Afrique ici. Sinon, Côte d'Ivoire, Burkina, c'était le même pays. On est collés, on est toujours collés. Il n'y a pas l'autre qui nous sépare. Il n'y a pas l'autre qui nous sépare. Aujourd'hui, tu arrives, frontière de Burkina, Côte d'Ivoire, des Burkinabés. Tu vois son frère, même père, même mère, il est en Côte d'Ivoire. Même père, même mère aussi au Burkina. C'est les deux pays frères. C'est un pays, et puis ils ont divisé la famille. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Lui qui s'élève, il va venir avoir les points, il est obligé d'insulter telle personne. Il est obligé de dire de n'importe quoi. C'est quoi ça? On fouille même Bédier, même on fout. Ils ont mis cuit de Bédier dehors. On dit voici pour lui aussi. Voici nationalité de Bédier. Voici pour Laurent Gbagbo. Voici pour telle personne. Ah, donc quand c'est pour eux là, eux ça les fait mal. Eux disent non, eux ne sont pas dedans. C'est pour cela, moi, souvent quand j'écoute mes aînés, j'écoute mes grands frères ou j'écoute mes papas, eux me disent Félix Boigny n'a jamais ignoré d'où lui il est quitté. Lui, il est fier de dire, lui, il est de tant, il est de ceci, il est cela. Alassane répète toujours, son père de tant, sa mère de tant, mais ça rentre pas dans vos oreilles. Parce que dans vos oreilles, là, ils ont mis béton, ils ont mis plomb dedans. C'est qui ils sont là, dit là, vous savez, non, c'est pas ça qui vous. Vous voulez qu'il n'a qu'à dire, je suis un Burkinabé. Mais quelqu'un qui n'est pas Burkinabé, il n'a qu'à assumer qu'il est un Burkinabé. Moi-même, j'aime Burkinabé. Moi-même, si on pouvait changer de nationalité là. Moi, mais je vais avoir un côté même. Attends. Un jour même, il y a avoir double nationalité. Burkina, Côte d'Ivoire. Et même mélanger les gens. Il y a avoir nationalité Burkinabé, Côte d'Ivoire. Même si je peux même pour 3 ans, il prend pour Mali aussi. Et puis après, il y a les prend Ghana pour parler anglais. You fuck me, yo me. Oh yo me, oh yo pe. Les guerriers, eux, n'avaient pas. Non, les guerriers. Les guerriers parlent anglais. Guerriers, même lui, maîtrise anglais. Yo, père, oh, mère, oh, yo, mère, oh, yo, mère, père, oh, yo, père. Vous voyez les choses? Même on voit, même à l'ouest, même là, les guerriers, elle, les libériens. Eux, mais c'est mariant, eux. Tu les vois, ils sont mélangés. Mais est-ce qu'on a déjà dit, lui, là, c'est un libérien, lui, là, c'est un tant. C'est au nord seulement, vous regardez ceux qui sont au nord là-bas, ils sont les Maliens, ils sont les Burkinabés, ils sont les étrangers, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont les Guinéens, ils sont. Ça fait mal. Quelqu'un qui est dans son propre pays et puis tu lui traites des étrangers, ça fait mal. Quitter dans cette posture, arrêtez ça. C'est pas ça l'on peut, c'est pas si ça l'on va se baser pour développer le pays. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nos sagesses. La Côte d'Ivoire a besoin de nos compétences. Le courage, la dignité, la fierté. Arrêtons de se vilipender. Arrêtons de se détester pour rien. Ce n'est pas en se détestant qu'on peut s'aimer ou on peut encourager ou on peut aider nos frères. Non.
Parce que si on est en train de se détester, là, on ne peut pas aller de l'avant. Demain, là, c'est nos frères, c'est nos amis, ou il peut dire, ceux qui ont fait frontière, eux, là, c'est eux qui vont se moquer de nous. Et regardez, au Cameroun, ceux qui appellent les Camerounais de venir insulter Ouattara, de dire Ouattara, c'est un Burkinabé. Là. Est-ce que là-bas, chez eux, vous avez déjà appris que non, Paul Biya, lui, c'est un étranger. Kamto, c'est un étranger. Ceci, c'est un étranger. C'est en Côte d'Ivoire seulement. L'histoire d'étrangers, là, ça nous casse la tête. Ça nous casse la tête matin, midi, soir. Lui, là, il est étranger. Oh. Ah. Lui, là, moi, nous, on a appris que lui, là, il est étranger. Oh. Ah. Nous, on a appris aussi. Oh. Lui, là, il est étranger. Oh. Ah. Nous, on sait. Oh. Lui, là, il est étranger. Oh. On est là. Étranger. Il n'y a pas quelque chose de bien qui va sortir dans votre bouche. Et que la jeunesse ivoirienne peut se focaliser sur ça pour dire oui, vraiment, cette histoire d'étranger-là. Aujourd'hui, regardez au 21e siècle, regardez. Regardez très bien. Moi-même, je me marie à une femme malienne ou soit une femme burkinabèse. Et puis, on va. Là, je vais voir mon enfant là. Si vous dites mon enfant étranger, là, il dit non, qu'à le diviser en deux, puis on voit. Vous êtes méchant. Vous êtes en Europe là-bas, vos enfants ont des papiers français. À cause de vos enfants, vous aujourd'hui, vous avez des papiers français. Ça ne vous dit rien. Mais si c'est en Afrique, ici, on a la même peau, hein, mais on va se détester. Pourquoi lui, là, il a les papiers de mon pays? Toi, tu as les papiers des blancs là-bas. Si les blancs parlaient là-bas, vous allez dire ils sont racistes. Mais c'est chez nous, là. Vous acceptez, puis vous cautionnez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça quand même. Ce que vous ne voulez pas accepter là, arrêtez de dire, lui là c'est un étranger, à la stand c'est un étranger, matin, midi, soir c'est un étranger. Mais Babo là, lui c'est quoi? C'est ça ils ont dit. La famille, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.